S'informer pour mieux gérer son association, c'est un des objectifs de l'accueil des nouvelles associations de Gravelines. Un moyen de connaître les services auxquels ont droit ces structures et de s'informer sur la juridiction du monde associatif. Comme chaque année à cette époque, nous souhaitons donc recevoir les membres des nouvelles associations ou changement de président. Nous leur présentons donc les différents thèmes qu'ils veulent voir abordés. Ça peut être sur des frais de déplacement, sur comment gérer votre association lorsque vous avez des bénévoles qui sont plus impliqués ou si vous avez des associations aussi qui ont du personnel. Donc nous avons la participation de M. Benoît Fusy et de Mlle Hélène Béel pour parler d'un thème plus précis qui est aujourd'hui les bases juridiques et comptables d'une association. 9 associations étaient présentes. Gravelines Arts Martiaux, Gravelines Judo, le Théâtre des Fortifications, le BCMGG, les U de Basket Solidarité, le Western Country Dancer, toujours avec Yvan, Fiesta Zoom et Yapok. L'association des parents en herbe, une des nouvelles associations gravinoises. C'est pour permettre des rencontres entre les parents avec leurs enfants, leurs petits, leurs grands-enfants, des rencontres tous ensemble. On va faire des ateliers massage, des ateliers de motricité libre, et puis des ateliers aussi éventuellement, quelques ateliers de portage physiologique, de portage en écharpe ou de portage physiologique avec un bébé bien installé. Voilà. Cette association proposera des ateliers massage en mars et des ateliers motricité avec Atouville à la crèche des Petites Frimousses. La prochaine journée dédiée aux associations, ce sera le 24 mai avec la journée des présidents.